me suis fait frapper par un troc de bonheur. Ça a eu pour effet de laisser plein de beaux petits sourires dans mon cœur. Ça goûte bon le bonheur, ça goûte les petits chocolats. Bon, ben, je pense que c'est ça. C'est l'épisode 53. On n'attendait pas du monde? On n'avait pas des invités aujourd'hui? Écoute, d'après moi, Thierry, c'est juste toi puis moi aujourd'hui. C'est une première depuis l'épisode 2, ça. Mais avant toute chose, tout le monde qui nous écoute, alors moi-même, Renaud et Thierry, autour de la table pour cet épisode-là, spécial bonheur. Le début de la deuxième moitié de la saison 2 du podcast LFA, dans le garage, hein, on retrouve un semblant de normalité. Ouais. On est à un mètre et quelque chose de distance, mais c'est la distance normale d'un podcast. Là. On laisse-tu cette porte de garage-là ouverte ou on la ferme? Porte fermée ou ouverte? Il y a une petite brune, ça m'inquiète un peu. On ferme la porte. Évidemment, quand on se déplace dans un endroit fermé, il faut mettre le masque. Je vais pas le renlever, mais que je revienne à ma place. Donc. Oh, j'aurais failli s'embarrer. Ça fait partie du bonheur, ça, des fois, de faire des petites blagues comme ça, des blagues lunettes, comme on l'appelle. On va fermer la porte ici aussi. Et voilà. Je me rassois. Je peux retirer mon masque. Et c'est parti, spécial bonheur. Ouais. Beaucoup de matériel aujourd'hui, on n'aura pas le temps de faire nos chroniques habituelles, que ce soit les actualités tétrovilliennes ou que ce soit ma chronique sur la danse contemporaine, parce que là, le bonheur, ça prend toute la place. C'est un trop gros morceau. Mais il y a des choses qui me rendent heureux pour vrai, comme je pourrais en énumérer quelques-unes, il y a ma vapoteuse jaune-orange. Celle que je me mets de l'huile, je l'ai pas amenée ici, je sais que t'es contre ça, de la même manière que j'amènerais pas... C'est une maison sans fumée ici. Je respecte les règles de la maison. Sur moi, une vapoteuse, c'est pas de la vraie fumée, mais bon, c'est correct aussi, là. Puis aussi, c'est grâce à ça que j'ai pas commencé à fumer la cigarette, donc... Même si ça a l'air que c'est pire. Ouais. J'aime la senteur de mes mains. Pas maintenant, parce que là, j'ai touché à... Ça a-tu cogné? Oh, est-ce qu'on avait un troisième membre pour le podcast? Thierry est en train de dire que c'est parlé de ma vapoteuse, évidemment. J'ai parlé. Mais ça, évidemment. C'est correct. Mais je sais pas ce que j'embarque dans. Parce que là, j'ai vraiment plein de choses à dire. Je sais que toi aussi, je sais que Mathieu aussi, sûrement. Non. Ah, bon. Mais moi aussi, je me souhaite une liste de choses qui sont des petits bonheurs. Ben, je peux parler juste du fait que moi, pour me rendre heureux la plupart du temps, je vais au Dollarama. Puis chaque Dollarama a vraiment une personnalité propre à elle-même. Ça, c'est dans ma région, il y a 3 Dollarama, puis il y a eu une autre boutique de cossins pas cher, mais c'est pas un Dollarama, puis ça sent, tu sais, il y a des choses, des fois, ça coûte 15$. J'appelle pas ça un Dollarama, parce que c'est pas un Dollarama, premièrement. Donc, je suis allé au Dollarama pour la première fois en 6 mois, puis je me suis acheté pour 300$ de cossins. Ça m'a rendu heureux, ça m'a fait mon bonheur. Mais bonheur ou plaisir? Ben, plaisir, bonheur, c'est synonyme. Ça dépend. Ben, toujours est-il, l'eau de Dollarama, c'est ancien, c'est pas facile parce qu'il te nettoie les mains avec de l'eau de Javel quand tu rentres. C'est rough. Fait que j'en ai pris pour ma claque, je me suis acheté des raquettes de badminton, des coupes de vin, des fleurs en plastique. D'ailleurs, j'en ai une pour Mathieu, une belle rose blanche qui symbolise. C'est rose, ça? Peut-être pas, mais ça symbolise la foi, l'équilibre, la sagesse, la virginité. Faudrait désinfecter un peu, je pense. Ouais, peut-être. Puis ici, j'ai des petites roses roses. Puis ça, Renaud, ça symbolise la pudeur, la gentillesse, la fidélité. Tu sais qu'ils vendent des parfums. Tu sais que tu peux splouscher de temps en temps tes fleurs pour qu'ils sentent les vraies fleurs. Ils vendent pas ça au Dollarama. Non. Mais ça va coûter plus qu'un dollar. C'est sûr. J'ai acheté des guirlandes de jute. J'ai acheté du lichen. J'ai acheté des fils pour recharger mon téléphone cellulaire qui sont déjà pétés. J'ai acheté un tapis en microfibre pour sécher la vaisselle. C'est la vaisselle, ok. J'ai acheté un pichet en plastique, des cartes de poker. Street poker, ça vous tente-tu? Non. Ok. Si, j'ai acheté des figurines Funko Pop de Fortnite.
C'était plus qu'un dollar, mais j'en ai quand même acheté. Oh, ouais. J'ai acheté des cadenas, de la corde, puis j'ai acheté bien d'autres affaires que j'oublie, mais ça, c'est, ça m'a rendu heureux. Qu'est-ce que tu veux? De là, c'est vrai que, est-ce que c'était du bonheur? On peut pas dire vraiment. Dépenser de l'argent, ça rend presque autant heureux que d'en avoir beaucoup. Ben, c'est le fun que tu amènes ça, puis je sais pas si tu avais fini, parce que... Ben, j'ai d'autres trucs à dire, mais ça va être plus tard, quand on va ça va être quand on va embarquer dans la définition scientifique d'un point de vue maladif de la maladie psychologique du bonheur. Pour tout dire à propos du bonheur, là, c'est que là, j'ai commencé vraiment quelque chose d'excessivement positif. Mon avis sur le bonheur, c'est que ça rend heureux. Mais il y a des quand même... Le bonheur rend heureux ou être heureux amène le bonheur? C'est ça, c'est qu'il y a un côté un peu plus négatif, un peu plus sombre dans le bonheur. Puis en tout cas, je vais te laisser commencer, ouais. Parce que je sais que tu avais vraiment beaucoup de points que tu voulais aborder, puis c'est bon. Ben, on aurait pu aller chercher la définition scientifique du bonheur. Fait que plutôt qu'aller avec cette définition-là, moi, j'aimerais vous partager la définition du bonheur, mais pour notre mamie. Ah oui. Mamie nous dit ceci sur ce qu'est le bonheur. Pépère disait, le bonheur, c'est comme le sucre à crème. Quand on en veut, on se le fait soi-même. Il n'avait pas tout à fait tort. Comme le sucre à crème, on ne peut pas nager dedans perpétuellement. Mais ça ne veut pas dire qu'on est malheureux quand on ne nage pas dedans. Moi, je dirais que c'est un état d'esprit. J'en suis venu à la conclusion, à mon âge, que le grand bonheur avec un B majuscule, c'est la somme de tous les petits bonheurs quotidiens. Et passer à côté, c'est passer à côté du bonheur. Magnifique. Moi, j'aime pas le sucre à crème, mais j'imagine que... C'est... Ouais, scrape-moi ça, là! J'imagine que ça peut être remplacé par... La confiture à rhubarbe. Ben, confiture à rhubarbe, moi, tu sais... Ou la sauce à spag. La fameuse métaphore sur la sauce à spag. Ben, c'est ça, mais tu peux pas nager dans la sauce à spag tout le temps. Je le sais! J'ai d'avoir un flash sur la sauce à spag. OK. Fait que, tu sais, il y a un peu ça. Puis j'aime la nuance que c'est pas parce que tu te manges pas dedans tout le temps que t'es nécessairement malheureux. Tu sais, quand t'attends l'autobus. Attendre l'autobus, c'est peut-être une des pires choses. Puis, non, mais c'est... Non, mais imagine, tantôt, pour m'en venir ici... J'ai écouté un podcast tantôt, mais il parlait d'histoire de guerre. Ça. Ben, même dans les. Mais c'est vrai qu'attendre l'autobus. C'est encore pire attendre l'autobus durant une guerre, mais imagine pendant que t'as une application qui est censée dire l'autobus est là. Puis là, moi, je regarde l'application d'autobus, ça me dit l'autobus est déjà passé. Fait que là, je pense l'autobus est déjà passé, j'ai 15 minutes à tuer, fait que je vais aller à l'autre arrêt après, je vais marcher un peu plutôt que de rester assis sur mon gros derrière. Puis tu fais dépasser. Puis là, l'autobus passe à côté de moi, là, je regarde l'application qui m'a rien dit. Fait que là, ils fabriquent une application. En tout cas, ça pour dire, être heureux en attendant l'autobus, ça m'est peut-être arrivé une fois. T'sais, je doute qu'on arrive avec la même définition ou le même besoin pour être heureux ou avoir le bonheur. Ouais. Probablement que c'est pas la même chose pour moi que pour toi, que pour Mathieu. C'est sûr. Je sais pas. Ben, je pense que le bonheur pour toi, c'est la même chose que pour moi. Les éléments qui forment ton bonheur à toi sont probablement différents des miens. Mm-hmm. Fine. Mais la définition, t'sais, on parle de t'aimes pas le sucre à crème, si tu changes le sucre à crème par autre chose, ça ressemble un peu à ta définition à toi, j'imagine. Fait que la recette serait quand même la même, là, les éléments de base. C'est vrai. Ou le concept. Parce que le bonheur, je pense que c'est plus un concept qu'une recette, là. Ben, comme disait Mamie, ben, c'est un état d'esprit aussi. Avec la science, ah oui, non, ils font des pilules antidépressives. Le bonheur est une science du cerveau, mais ça je vais revenir là-dessus. Ouais, ben, c'est une drogue. Ouais, ben, c'est ça, parce que moi, j'ai des... c'est toi, Renaud, qui nous a dit « Demandez la définition du bonheur à des gens ». Moi, j'ai été sur ma chaîne YouTube, Thierry raconte des histoires de peur, sur laquelle j'ai 239 abonnés. Puis j'ai été demander à mes abonnés... quelle était leur définition du bonheur? Et puis j'ai plusieurs définitions ici. J'en ai d'ailleurs une qui dit « Le bonheur est une drogue. Une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. » Ben, c'est... Mais j'ai quelque chose de complètement à l'opposé, qui est Moglu, que lui, il m'a dit « Le bonheur provient de la richesse intérieure que l'on obtient en cultivant son jardin intérieur. » Fait que c'est vraiment, vraiment complètement différent. Ben, pas vraiment. Là, on parle d'une façon de reproduire le bonheur et de ce que le bonheur est. C'est pas deux, je vois pas comme ça comme deux choses différentes, mais comme un tout, finalement. Parce qu'effectivement, il y a, je sais plus comment
Je pense que c'est la dopamine qui est l'hormone du plaisir. Du plaisir. Mais... alors, c'est le... je me souviens plus du nom de celle qui est du bonheur, là, qui est sécrétée sur le long terme. Ouais, je sais plus. Il y a l'endorphine qui est un peu là-dedans. Bref, je sais plus trop. Mais ouais. L'endorphine, c'est mais quand, quand tu fais passer une fourchette sur les dents cheveux comme parce, ça. Parce que moi, c'est l'endorphine, ça. Il me semble que la dopamine, ça, c'est toi qui achètes des cossins au dollar à moi. Là, ça te sécrète le même titre là, que le plaisir ouais, que quelqu'un qui prend une ligne de coke. Il y a aussi eu le plaisir d'avoir des fleurs, de vous les donner en plus. C'est un gros problème, j'accumule trop de coupes de vin du Dollarama, je suis pogné avec ça. Fait que là, l'autre jour, j'en ai donné 200 à Julien. Qu'est-ce que tu penses qu'il a fait avec? Il n'a pas crissé au recyclage. Il est allé les porter chez Emmaüs. À Québec, il y a une boutique de trucs que tu donnes, c'est Emmaüs. Fait que là, Emmaüs, ils ont plein de coupes de vin, puis tout le monde va pouvoir s'en acheter. En attendant, je peux lire d'autres définitions du bonheur qu'on m'a fait. Danny Gray me dit « Je pense que pour apprécier le bonheur, il faut être vivant, sinon ça perd son intérêt. Apprécier la vie alors, est-ce qu'il faut être bien heureux pour l'apprécier? Je pense que personne ne le saura jamais. En tout cas, le bonheur, c'est quand on est heureux. » Donc lui, il fait les deux vont ensemble selon lui. Ce serait quasiment synonyme. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui donnent de l'heureux, comme de mettre du sel sur des frites, réussir à bouger ses doigts indépendamment les uns des autres, ou aller faire du camping en Slovénie. Donc, il doit parler d'expérience parce qu'on n'a pas tous été en Slovénie pour y faire du camping. Auguste Anger, il m'a dit « Le bonheur, c'est d'enfin manger la poutine qu'on attendait voilà 3 heures. C'est de prendre la première bouchée et de sentir le fromage quick-quick fondre au contact de la sauce très bonne et très chaude. C'est de prioriser le fromage au profit des frites. C'est de se sentir tellement plein qu'on se ferait vomir. C'est ça, le bonheur. » Donc, lui, pour lui, ouais. C'est de manger de la poutine. Non, c'est le résultat après l'attente. Ah oui, le résultat après l'attente. Parce qu'hier, il y avait un Poké Station qui a ouvert dans ma rue, puis en passant pour aller faire des cours, j'ai fait « Ah, je pourrais pas manger ça pour souper, je savais pas quoi manger, puis là, je vais faire ça. » Mais il y avait une grande file d'attente. J'ai fait comme « Bah, j'ai pas tant faim que ça, fait, je vais faire l'attente. » Ça a pris une heure, je pense, avant que je... Mais quand je suis revenu chez nous, j'ai fait « Ah, c'est bon, ça n'a jamais été aussi bon que ça. » C'est l'action après l'attente. C'est comme... Hein? C'est comme beaucoup de choses, en fait. C'est bien ce que tu dis. J'ai lu ça trop vite. J'ai juste vu de la poutine. Frangin, eux autres, pour eux, le bonheur, c'est quand on se lève très tôt et qu'on se rend compte qu'il est de bonheur. Donc, pour lui, c'est le... Il a vraiment pris ça, tu sais, pour le un bon prétexte pour faire un petit jeu de mots. Là, c'est là que... tu sais, que pour quelqu'un, des fois, se lever tôt peut être... le rendre heureux puis faire quoi? Ah, j'ai toute ma journée, j'ai la journée entière à faire plein de choses. Quelqu'un qui n'est pas un lève-tôt, Mathieu, je te connais pas particulièrement lève-tôt. Est-ce que t'as levé tôt, c'est quelque chose? Non. T'sais? Alors que moi, effectivement... Ça me dérange de moins en moins, mais c'est pas quelque chose qui me rend particulièrement de bonne humeur. Je sais pas si ça le rend heureux, c'est ben que... Me lever tôt puis boire un café quand c'est encore la fraîche du matin, que le soleil est pas tout à fait levé, puis tout ça... Ben, tu vois, moi ça va être une bonne journée. Mais ce que je comprends du message, c'est plus se lever tôt sans se rendre compte qu'on se lève tôt. J'essaie de comprendre le jeu de mots que tu comprenais, mais Amateur de Tortilla, qui est un autre abonné de la chaîne, qui est abonné, s'il a vu ça, puis qui a écrit un commentaire, il a écrit « Le bonheur, c'est lorsqu'on ne se sent pas malheureux. » C'est pas faux. Gab Marquis, il a écrit « Le bonheur, c'est d'être satisfait de sa situation. » Donc, j'imagine qu'on pourrait en discuter longtemps, mais là... Satisfait de sa situation... Satisfait, je trouve que le mot est faible, par contre. Non, mais en même temps, ça reviendrait à dire... apprécier ce qu'on a dans le présent. Tu sais, pas être constamment nostalgique du passé, puis pas être malheureux de ce qu'on aura demain. Le mot satisfait n'est pas si positif que ça. C'est juste comme correct. En même temps, être satisfait, moi, j'aime bien ça. Avant oui, ça implique le fait que quand t'es satisfait, tu te contentes de peu. Non, mais tu te contentes de ce que t'as. Tu sais, ce que je veux dire, c'est... Oui, non, mais satisfait, c'est quand même dans le bas de la honte, là. Non, satisfait, c'est pas nécessaire... C'est positif. Non, c'est juste que... c'est correct. C'est comme la différence entre une mention bonne puis une mention excellente, là. Puis en dessous de bonne, t'as satisfaisante, genre. Que satisfait les attentes. Satisfaisante, c'est ça, c'est limite, là. C'est ça, c'est j'avais souvent des mentions satisfaisantes, ouais. Moi, j'étais comme ça à l'école. C'était très satisfaisant ce que je faisais. Mais je peux comprendre que c'est dans le sens de... il se contente de peu et c'est assez pour lui. Moi, je le vois plus. Bah, pour donner l'idée ce que tu as en ce moment. Pour donner une idée de la personne, il y a une photo de Winston Churchill comme photo de profil. Donc là, j'ai un dernier commentaire d'un abonné, Fruit Lidou, qui a dit « Le bonheur, c'est ça. » Lui, il a gardé ça simple. Okay. Tu viens des échos de philo. Gardez ça simple.
Puis je suis vraiment content de mes abonnés. Je pense que je pense qu'ils ont trouvé des belles choses à dire sur le bonheur. Puis c'est ça, tu nous avais demandé de demander aux gens. Ben oui, t'as très bien fait ça. J'ai pas vraiment d'amis, j'ai des abonnés à ma chaîne YouTube, puis j'en ai profité. Moi, voulez-vous savoir c'est quoi mes petits bonheurs quotidiens? Quand on dit c'est la somme de petits plaisirs puis tout ça. C'est que t'as mes coréodates? Non. C'est génial comme ça, ok. Tu sais, je suis rendu un peu pépère, je confonds tout le monde. Là. Comment il chouette dès le premier essai? Tu sais, j'appelle Julien et Renaud, puis j'appelle Renaud Julien. Et Renaud, il sait que je suis mort là-dedans aussi. Voulez-vous le savoir? Ben oui. Fait que c'est sur le top de ma liste, puis ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. C'est se faire prendre par la pluie, être complètement trempé, là, jusqu'aux os, tout trempé, là, mouillé. Puis ensuite, mettre des vêtements secs. Ça faisait-tu déjà arrivé? Oui. T'es pas sûr que ça m'est déjà arrivé d'être mouillé, puis d'être plus mouillé après, fait quoi? Moi, c'est un petit plaisir de la vie. La sensation quand t'enlèves tout ton linge mouillé, puis qu'après ça, t'enfiles des vêtements secs. Tu sais, c'est des petits moments comme ça que je chéris. Que, t'sais, je ferais pas par exprès pour me sacrer sur la pluie, mais si ça arrive, t'sais, je me dis, il va y avoir ça après, mais que j'arrive chez nous et que je me change. Il y a aussi, après être baigné dans une piscine ou dans un lac, enlever son maillot de bain, mettre une bonne paire de caleçons. Ben, c'est pas pareil, ça. Ouais, c'est pas pareil, mais reste que c'est le fun. C'est un bonheur qui vient d'un malheur. Donc, tu connais, c'est un petit bonheur qui est là uniquement parce qu'avant, tu étais dans un creux de vague, c'est-à-dire que tu vas être pogné par la pluie, puis c'est pas cool, mais tu sais que tu vas être au sec. C'est un état d'esprit aussi. C'est que tu sors du métro. C'est qu'il t'arrive quelque chose de pas nécessairement agréable, puis tu n'étais pas dans un état d'esprit à voir que la négativité, puis à. Ça revient à ce que ta grand-mère disait tantôt. D'être toujours dans un high, d'être toujours dans un bonheur, ça n'existe pas. Puis tu vas te finir par toute l'année. Comme si tu manges toujours de la sauce spag, par exemple, tu vas finir par toute l'année. Puis il n'y aura plus, cette coche-là d'atteinte. Ben ouais. Tandis que si tu tombes dans des creux de vague, puis tu dépends à quel point tes creux de vague descendent, puis tu montes après. Ben ça va, c'est un équilibre qui se peut. Ben c'est ça, ben un peu comme avoir des enfants. T'sais. C'est une grande source de bonheur pour moi, avoir mes enfants, puis passer du temps avec eux, puis être leur père. J'adore être un père, mais sauf que c'est ça, c'est... Ça beurre. Il y a des fois, là, comme là, je suis un petit peu enrhumé, puis que là, s'ils veulent pas se coucher, puis que t'es fatigué, puis que t'es tanné, puis que t'as eu ta journée de cul au bureau, parce que t'as beau aimer ta job, il y a des journées, des fois, qui sont de cul, ben... C'est bien sûr. Ben, et après ça, il y a l'autre fois, t'as la première fois qu'ils font quelque chose qu'ils n'ont jamais fait, puis que t'es ultra fier, puis que si, puis que. Ben, c'est ça. Ça semble qu'il y a des fois que c'est plus normal, parce que ça peut pas tout le temps être aux deux extrêmes. Sinon, ben, c'est ça. Là, j'ai mis, tu sais, à un moment donné, on parlait de l'attente, tu sais, dans le bonheur, comme ta poutine, puis tout ça. Moi, un des petits bonheurs, c'est s'asseoir après avoir longtemps été debout. T'sais, après, on avait fait la manifestation là, pour l'environnement avec Greta Thunberg. Puis on avait été debout tout le long, des fois avec les enfants, ses épaules, puis tout ça. Peux-tu te dire que quand, parce qu'on n'a même pas pu s'asseoir dans le métro, parce que le métro était bondé après pour revenir, quand je suis finalement assis... On n'avait même pas besoin de mettre des masques dans le métro, tu peux t'imaginer dessus? C'est ça, à cette époque-là. Parce que, ouais. Une tache de mal sur mon masque, là, puis j'ai de l'air d'un maudit malpropre. Tu as changé de masque? Non, mais j'en ai rien qu'amené un aujourd'hui. Ah, OK. Avoir un fou rire. Ah, mais j'ai eu un fou rire l'autre jour en écoutant un film. C'était la scène. La scène où le personnage dans le film il tue une mouette. Ça m'a fait rire comme un fou. Bon. T'avais vu le Lighthouse avec Robin Pattinson et Willem Dafoe. C'est un film qu'ils vont sur une île pour s'occuper d'un phare. Là, le moment où ce qui tue la mouette, là, c'est un moment crucial que j'aurais peut-être pas dû le raconter parce que ça gâche un peu le plaisir. J'ai écrit donner, aider. Tu sais, des fois, c'est des petites choses comme ça. Faire du bénévolat, t'as écrit. Ben oui. J'ai jamais rien haï autant que de faire du bénévolat, mais c'était pas, le fun. Pas nécessairement faire du bénévolat, mais donner, aider. Tu sais, je te donne l'exemple. L'autre jour, je traversais la rue, puis à traverser la rue, il y avait une madame avec sa canne, son chapeau s'est envolé. Ben, tu sais, juste cette petite action-là, de pas juste rester là à rire d'elle, de prendre son chapeau, puis lui dire, tenez, madame, tu sais, pendant en disant aux autos, attendez, là, je vais aider la dame, je vais ramasser son chapeau, puis tout ça. Mais avant, tu parlais d'avoir un fou rire.
T'aurais pu avoir un fou rire et après ça l'aider, ça aurait pu être un... C'est quand même drôle, mais c'est vrai quand même, il faut que tu l'aides, là, parce que... Mais t'es mieux d'avoir de fou rire après, parce que ça ça fait quand même l'air un peu méchant de... Après, je pense que c'est le pire. Tu viens de ton chapeau, puis là... Non, je suis pas mal sûr que ça fait peur. Mais bon. Mais tantôt, j'ai donné 2 piastres à un itinérant, puis... C'est que les itinérants, ils font ça pour notre bonheur. Le gars, il avait quand même un gros verre de chez Subway rempli de change. Se mettre à mendier, c'est une condition qui permet, qui sème le bonheur aux gens qui donnent. Fait qu'eux autres, ils sont des gens qui sèment le bonheur. Mais c'est dans la culture, les derviches, là, c'est des gens qui se promenaient, là, tu sais, qui font des fous. Ouais, qui ont l'air plus misérables pour donner l'impression aux autres. Ouais, il y avait une affaire de même. L'Ecclésio qui avait déjà dit ça dans le prix Nobel 2006. Non, il y avait un truc, je sais plus d'où se charge ça, mais oui, il y avait un truc comme ça. Ça a l'air con ce que tu viens de dire, puis ça l'est. Là. Mais il y avait quelque chose dans ce genre-là. Ouais. Mais être mendiant, c'est la façon peut-être la plus humiliante de récolter son argent. C'est excessivement humiliant. Ben, c'est ça. Puis moi, je veux pas humilier personne. C'est excessivement humiliant, mais pour avoir travaillé dans des milieux où les gens essaient de s'en sortir de ce côté-là, puis qu'ils arrivent pas, des fois ils se sauvaient, puis ils le faisaient, puis ben, c'était compliqué, là. Mais c'est excessivement humiliant. Et puis quand tu réussis à accepter ça comme état, toi dans ta vie, t'es mendiant, tu peux pas vraiment te sortir de ce truc-là. Fait que t'as plus j'allais dire, c'est comme une drogue, ça devient comme une drogue genre en soi. Mais non, il y a quelque chose. Quand tu brises cet élément-là de c'est vraiment humiliant, c'est tough de s'en sortir. C'est vraiment. C'est tough de revenir. Ben, de ne plus faire ça, en fait. Ben, moi, j'ai ma chronique ici, c'est le bonheur selon la psychologie évolutive. L'esprit humain fonctionne pour la recherche du bonheur. Puis ça, c'est devenu au fil des années, c'est la recherche de l'accumulation de l'argent. C'est l'évolution, notre adaptation à notre environnement qui nous oblige à rechercher l'argent, à respecter les gens qui en ont beaucoup d'argent. Parce que le bonheur, c'est un piège cérébral. Plus on se sent heureux, moins on l'est. Parce qu'être riche, être milliardaire, c'est être malheureux, c'est être condamné à commettre les pires atrocités au monde. T'en es très loin, très vite. Le bonheur, ça peut être une maladie au strict point de vue psychologique. La maladie de l'optimisme, qu'on appelle ça. L'état d'euphorie qui résulte d'une trop grande facilité d'adaptation à la vie. C'est pas normal. L'optimisme, ça rayonne le bonheur. Il se promène en souriant à tout le monde, en se prenant pour un grand bienfaiteur de l'humanité. C'est un individu profondément malheureux qui se considère comme étant un porte-parole du bonheur. Mais tu sais, tantôt, tu disais que les milliardaires et tout ça, là. Ouais, ouais. C'était bien tourné. C'était pas mal bien tourné. J'ai pas compris ton point de vue sur le rien parce que ça avait l'air de faire la girouette. Mais... Ouais, c'est vrai que. Est-ce que ce que je voulais ça dire. Ça tournait en rond un peu. C'est qu'il y a quand même des études qui ont été faites, à savoir, on dit tout le temps, l'argent fait pas le bonheur. Ben, des études qui ont été faites à savoir... Ben, ouais. Chanson des Respectables qui dit le contraire. Ben, y a des études qui ont montré que, oui, l'argent fait le bonheur jusqu'à une certaine limite. Il y a un point où que plus d'argent n'augmente pas l'effet du bonheur sur la personne. Hmm. Et cette limite-là est estimée à environ des revenus de 75 000 $ par année. Plus d'argent, la différence entre 25 000 puis 50 000 puis 50 000, il va avoir un effet sur le bonheur. Parce qu'effectivement, c'est probablement moins de stress dans la vie, plus de possibilités de s'adonner à ses passions, à faire des voyages, à faire des choses. Moins de stress s'il y a un bris quelconque sur la voiture, sur la maison, qui fait en sorte que tu ne te retrouves pas la corde au cou parce que tu ne peux pas répondre à tes engagements financiers. Par contre, en haut de 75 000, ben là, il n'y a plus d'effet à avoir plus d'argent sur le bonheur où il est minime. Moi, je trouve ça intéressant comme... T'sais, on est quand même dans une société capitaliste qui mise beaucoup sur la réussite. Si tu me parles de méritocratie, on va s'entendre là-dessus? Non. Sur la... ben, ce que je veux dire par réussite, c'est plus la réussite. Tu fais de l'argent, puis t'accumules... OK, pas une réussite personnelle, c'est ça le modèle. Que, t'sais, moi, pour l'instant... Je suis vraiment en bas de l'échelle de la société. Je suis rien. Mais
Mais moi, tu sais, avec une réussite sociale, c'est-à-dire avec de l'argent, beaucoup d'argent, même gagner à la loterie, qui est probablement la façon de gagner de l'argent la plus stupide qui existe, là. Puis je deviens quelqu'un d'important, je me promène en Audi, puis je m'achète des montres Rolex. Je deviens quelqu'un d'important. Peut-être, t'avais-tu autre chose à dire sur le bonheur? Ben, je vais toujours bien finir avec tous tes auditeurs. Moi, j'avais Sonia qui nous disait que pour être heureux, ben, ça prend un bon matelas. Fait qu'on remercie Sonia de chez Ouais. Matelas Bonheur. D'ailleurs, ben c'est ça, c'est Matelas Bonheur, ça s'appelle. Ça le donne bien. Propos. Ben, dans Sims, quand tu veux avoir le bonheur, c'est que quand tu as accumulé suffisamment de points de bonheur, ben, tu peux t'acheter des améliorations à ton bonhomme, comme par exemple, tu as besoin d'aller faire pipi. Si on pouvait faire ça. Alors que quand Ouais. t'as vraiment envie de pipi que le cul, t'arrives chez vous, puis là qu'il fait noir, puis t'essaies de trouver tes clés parce qu'il fait noir, mais t'as envie de pipi. Je pense que rien. Tantôt, on parlait d'être assis alors que tu étais Ouais. debout pendant super longtemps. Je pense que c'est toujours les meilleures pistes qui se passent à ce moment-là. Quand tu étais sur le bord d'exploser. Puis tu sais, t'as un moment de faire comme. Je trouve pas mes clés. C'est pas comme ça m'est arrivé là pas longtemps. Mais je trouve pas mes clés. Puis là, quand même une fraction de seconde, tu fais comme. Moi, ouais, mais si je pisse là, personne va s'en rendre compte. Sur Ben, ces j'ai mots, renouvelé. ben, on vous souhaite tout le bonheur. On vous souhaite de réfléchir qu'est-ce qui vous rend heureux, puis De le partager dans les de commentaires, tiens. partager. Être conscient de vos moments de bonheur, je pense. Ouais. Je pense que c'est ça que j'ai Ben, envie de souhaiter aux gens qui pour écoutent. une façon de faire ça, là, c'est d'écrire un journal. Ou d'écrire dans les commentaires qu'est-ce qui vous rend de bonne Effectivement. humeur. Oui. Je suis là pour les oui, je suis bon pour le. Je suis là pour YouTube, mais ouais. Fait que merci à tout le monde, c'était l'épisode 53. Bonne En tout soirée. cas.